have you ever felt? Are you listening? Damn. Hello, hello, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Première Dame Influenceuse, la chaîne YouTube qui vous donne les informations sur toutes les grandes influenceuses africaines et les stars de par le monde entier. Alors aujourd'hui, on est chez Miss Série Dorcas. Vraiment, j'ai vu des passages de son émission, la série inédite avec Yasmine Reda, et vraiment, ça m'a touchée. Okay? Elle a raconté comment la famille de son ex Didier Zokora vraiment la méprisait, la maltraitait et autres. J'ai décidé de partager cela avec vous. C'est pour dire que chacun a des soucis. Chacun a des soucis. Il ne faut envier rien ni personne. Qu'elle parlait là, je dis, oh, pourtant de l'extérieur, on disait, oh, elle est meilleure footballeur professionnelle, oh, elle a réussi sa vie, oh, elle a fait ceci, oh, elle a fait comme ça, elle conduit les grosses voitures, elle fait ceci, elle fait... Oh, bref, c'est pour dire que chacun a les soucis à son niveau. Vous allez écouter avec Yasmine Reda. C'est très, 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 très édifiant. À bientôt. C'est énorme. Je sais même pas par où commencer. C'est. Dorcas, je suis désolée. Si je t'ai posé une question, mais non, le but, c'est important d'en parler parce que peut-être que tu as essayé de me débrider par ton énergie que j'adore. Au fond de ce que tu racontes, tu vois, je sens une femme qui a été vraiment blessée. Ah, blessée, je comprends. J'ai cru que j'étais plus rien. Mais j'ai dit, je trouve que tu es belle, tu es grosse, tu n'es pas belle. Qui va t'étonner? Tu sais, je l'ai rencontré dans une période où il était vraiment mal en point. C'est relatif, hein, quand je dis mal en point, il était en couple. Et il était, selon lui, selon ses dires, parce qu'aujourd'hui, avec beaucoup de recul, tu te dis si c'était pas de la manipulation. Mais bon, on va expliquer les choses de l'époque, tu comprends. Il y avait son frère. Et dans la période quand il m'appelait, son grand frère était constamment à la charge, en me disant les propos. Tu connais les beaux-frères au début, la belle famille. Ils sont adorables. Dorcas, il nous faut une femme bêtée. C'est toi qu'il nous faut dans la vie. Mmh. On a souffert aujourd'hui, là. C'est toi, on veut. Notre frère, il t'aime. Quand il t'appelle, il est heureux. Il est comme ci, il est comme ça. À la suite du ça. Je dis que tous les jours, le beau-frère est dans ton téléphone. Mais au-delà de ça, c'est pas le beau-frère qui me met la pression. Mmh. C'est toi-même tes sentiments. C'est ça. Donc, vous décidez de vous mettre ensemble. C'est ça. Quand on s'est mis ensemble, et je le dis devant Dieu, lui et sa famille, ils étaient déchirés. Et tout le monde le sait. Attends, mais quand tu dis déchirés, c'est-à-dire... Parce que... Il ne parlait pas avec sa mère. C'est ça. Dans son premier mariage. Ah, j'ai vu une histoire comme ça, on m'a dit, il y a une femme, mec, il était marié, version, on a eu la version du béret, en fait. Exactement. Oui. Quand on s'est mis ensemble, j'ai commencé à lui dire, moi, je suis quelqu'un, je suis famille. Moi, je suis constamment avec ma famille, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un. Donc, je veux dire, il y a une division au sein de la famille, je ne peux pas. Il faut qu'il se reconcilie. C'est ça. J'ai insisté, on allait voir sa mère. Et je le dis pas dans l'intention de dénigrer, et comme on a dit, c'est vraiment une thérapie. Ah, ma sopa. Et je vais voir sa mère. Elle était ok. Elle était dans des conditions, je veux dire, modestes à mon goût. Le niveau que lui il avait. Et moi j'arrive, je lui dis, je ne peux pas être avec toi. Voilà. Et je connais le niveau que tu as. Et puis tes parents seront dans ce genre de conditions, je ne peux pas accepter. Automatiquement, tu comprends? Tu agis. Automatiquement, j'agis. Je lui fais comprendre que aujourd'hui, tu as des maisons. Il y a la maison que tu occupais avec ton ex-femme. Vous n'êtes plus ensemble. Ses parents ont élu domicile là-bas. Je dis, maman, c'est pas possible. Je me battrai pour que toi, tu rentres dans cette maison. Je l'ai appelé, je lui dis, trouve une solution. Il était. On est cachotis, on fait des trucs et tout. Donc, moi, j'ai dit à ma soeur, tu sais, quand tu es là et que j'avais invité ma belle-sœur avec son mari et mon beau-frère. Attends, je vais te dire où je suis allée pour mettre mes beaux-parents à l'aise. Et je vais te dire ça aujourd'hui. Donc je dis à ma sœur, pour ne pas qu'il y ait des ambiguïtés, tu vois, et tout, je vais te faire partir à l'hôtel et on va faire croire que, justement,
quand mes beaux-parents sont arrivés, peut-être 3 jours après, tu es venu. Pour ne pas justement qu'ils se disent que oui, ouais, c'est eux, sa famille s'accapare de lui. Pendant... Tu connais les petites jalousies malsaines. Chérie, attends, je sais. Tu la connaissais un peu. Un peu, mais je pensais que... Non, parce que je... Tu pensais comment tu vois un peu le snow, il n'y a pas de mal à ce que les gens soient là. Non, j'avoue que je savais qu'ils étaient... Je sentais qu'ils étaient susceptibles. Mmh. Ils ont été un peu abandonnés. C'est ça. Donc, à un moment donné, je me suis dit... Il ne faut pas qu'ils se sentent qu'il y ait un abondant. Donc, je vais qu'on prenne encore une fois tout l'espace et qu'eux, ils soient lésés. Ma priorité, ma famille, tout, je les mettais derrière. Et eux, ils étaient en priorité. Tu comprends? Je fais installer ma sœur à l'hôtel. Elle est là-bas. Ma belle-sœur arrive. Ma belle-sœur inspecte les lieux. Tout va bien, je suis correcte, machin et tout. Puis elle me dit, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai un problème avec toi. Ah ouais? Je dis, oui, lequel? Elle me dit, déjà, je trouve que tu es trop perfectionniste. Je veux que notre frère respire. Je veux qu'il puisse jeter ses chaussettes quand il veut. S'il veut déposer une assiette là, mais tout est un peu trop règle dans ta maison, j'aime pas. Donc je lui ai dit, ça c'est un motif. Tu devais forcément être fière que ta belle-sœur soit ordonnée. Elle dit, oui, j'ai pas forcément de soucis. Mais voilà, j'ai dit ok. Donc officiellement, 3 jours après, ma sœur revient. Elle est là, elle joue le jeu, machin et tout et tout. Ils partent. Dès qu'ils arrivent le lendemain, son frère, Yann, il m'envoie un message. Mais Dorcas, apparemment, tu es une mauvaise. Et qu'en gros, ce qu'on a vécu, tu veux nous faire revivre ça. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Toi, ta sœur est venue. Vous êtes en train de bouffer les trucs de mon frère. Et tu fais mine de la meuf qui, oui, c'est maintenant sa sœur arrive. Tu crois qu'on est dupes, mais ça ne va pas se passer comme ça. Parce que ce qu'on a vécu là, on ne veut pas le revivre. Bon, attends, alors le premier défaut... Je suis perfectionniste. Tu n'es pas sale. Tu as tout en ordre. Tout est en ordre. Toi, tu ranges bien les affaires de ton mari. Tu ranges bien tes affaires. Tout est chic. Tout est chic dans la maison. Tu reproches d'être une femme parfaite. C'est ça, en fait. Parce que je ne vois pas pourquoi. Parce que normalement, dans les endroits comme le Turquie et autres, il y a des servantes, mais il n'y en a pas autant qu'en Afrique. Oui. Donc, du coup, si tu mets la main là-bas, que tu donnes des instructions pour faire les choses correctement, je pense que c'est parce que tu respectes ton foyer. Exactement. Les gens te reprochent ça. On me reproche ça. Deuxièmement, on te reproche de faire comme les ex. Oui, on me reproche du fait que je fasse venir ma sœur, que ce soit avant ou après. Et moi, je lui ai dit que ma sœur... Avant ou après, comment tu fais? Non, mais je veux dire, parce qu'ils estiment que ma sœur est venue avant eux. Ça veut dire qu'il y a longtemps, ma sœur est là. Elle est venue bouffer, en fait. Je vois. On donnait études. J'ai fini mon master, j'ai pas continué. J'ai mis tout en stand-by pour venir m'asseoir en Turquie, où on ne parle que le turc. Et je suis loin de ma famille. Donc arrêtez, je peux comprendre que vous ayez été blessé, mais ne soyez pas sur le qui-vive. Ok, cette situation passe. Je suis à l'étranger, je suis enceinte. La belle-mère, pendant ce temps... La belle-sœur, la belle-mère à la maison. Okay. Pendant ce temps, chaque mois, elle a son argent par mois. À un moment donné, elle a demandé une voiture. J'ai dit, c'est entre vous. Choisis la voiture que tu veux acheter à ta mère. Très bien. Mais tranquille, où tu choisis. Tu la gères, ouais. Ses frères ont appelé pour lui dire, voilà tel montant, ils ont vu une bonne voiture, occasion, bien, la voiture en forme, ils vont payer. Il m'a demandé, il dit, do it. Moi, franchement, je veux que les parents soient à l'aise. C'est ça, bien sûr. Alors donc, ce qui se passe, c'est que lui-même, le frère même décide d'acheter une voiture qui trouve l'occasion à Abidjan. Normal. Et le monsieur, il envoie l'argent à Abidjan. Normal. Et ils vont prendre cet argent pour aller faire l'achat. Ils ont acheté leur voiture. Très bien. Tranquille, moi, franchement, ça ne me regardait pas. Je me disais que, bon, moi, tant que la belle-mère, elle est bien, tout va bien, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai une question que j'aimerais te poser. C'est à partir de quel moment que tout s'est gâté avec eux? En fait, il n'y a pas eu de moment réel où tout s'est gâté. C'est à un moment donné, je trouvais que c'était trop. Que je comprends pourquoi, en gros, le gars, à un moment, il avait pris des distances. En fait, moi-même, tu m'as posé la question de savoir si j'étais sûre que ce soit le monsieur qui a mal parlé de moi, la famille ou pas. Au final, quand tu vois que l'homme même lui-même ne veut pas que tu t'approches trop de sa famille, là, faut pas forcer. Mais justement, non, si j'ai eu ce problème-là, où je me suis mêlée des choses qui ne me regardaient pas, et puis, ben, j'ai... Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Sauf que, Yachou, tu arrives dans un foyer... Tu ne peux pas rester dans un foyer brisé. Ton rôle premier, jusqu'à ce que tu t'en mordes les doigts,
c'est d'essayer de coller les morceaux. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, il achète la voiture pour revenir rapidement. Il achète la voiture, il se débrouille. Et un jour, le gars continuait, il envoyait de l'argent à sa mère et machin, et il paraît dans mon dos. Il n'a pas envoyé peut-être un ou deux mois à sa mère. Il aurait oublié. Moi, je n'étais pas au courant. Ma chérie, un jour, mes nounous m'appellent. Maman Dorcas, tu es où? Il y a un scandale qui se passe. Comment ça? C'est sur haut-parleur. La vieille a débarqué avec une de ses CP chez moi à Abidjan. Toi, tu étais toujours. Moi, j'étais en Turquie, enceinte. Elle débarque, la vieille commence à me maudire. Je te parle de quelque chose. Ça va, tout ça. Cette chienne-là, regardez dans la maison ici. Vous êtes en train de manger. Il y a de la nourriture au feu. Il y a tout pendant que moi je meurs de faim. Regardez un connard comme ça. Il va m'acheter une vilaine vieille voiture pourrie. C'est là où je voulais en venir. Une vilaine voiture pourrie pendant qu'il va acheter Range Rover à femme. Je crache ton nom, Dorcas. Est-ce que quand on crache là, on peut ramasser? Il y avait ma tante qui était dans la maison. Elle dit ton crachat là, ça va t'étouffer. Parce que c'est pas ton enfant. Rien ne peut lui arriver. Elle est enceinte. Il paraît qu'elle s'en va accoucher aux États-Unis. C'est Mère Teresa, elle va accoucher? C'est Mère Teresa? Est-ce que tu vois l'homme? La vieille, là où elle était, la vieille m'a ramassée comme un poisson pourri. J'ai mis le téléphone devant le gars quand il est rentré, j'ai commencé à pleurer. Je dis non, ta maman ne peut pas me faire ça. Ta maman ne peut pas. Après tout ce que j'ai fait pour elle, elle ne peut pas faire ça. Il m'a fait asseoir, il dit Dorcas, tu comprends pourquoi je me suis éloignée. C'est vrai que mon ex-femme, elle était peut-être ce qu'elle est, on avait nos trucs. Mais à la fin de la journée, elle en a fait voir de toutes les couleurs. Aujourd'hui, la dame va venir m'insulter comme ça. Je lui ai dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, ta famille, tu la gères. Que tu aies oublié de leur envoyer quelque chose ou qu'ils veulent quelque chose, plus jamais ils passent par moi. Moi, j'ai vu dans le téléphone un de mes ex, une de ses soeurs lui a envoyé un message et une photo d'une femme. On lui dit, celle-là, là, je te la présente, c'est une amie, il faut prendre soin d'elle, elle est bien. Celle-là seulement, on ne peut pas lui mentir. Je vous souhaite tout le bonheur, Inch'Allah, que vous allez jusqu'au mariage. De quelqu'un d'autre? Et quelqu'un qui, lui, il n'a marié celle-là. Pendant que moi, ils viennent, là, ils n'ont qu'à marier celle-là. Mais quand Dieu t'en parle, quand tu es innocent d'une situation là, Dieu me permet à ce que tes yeux puissent s'ouvrir. Et puis je suis dépassée. Tu te rappelles, vous tous, vous avez vu l'arrachage de voitures en public, tout ce que tu veux. Tu peux imaginer que c'était sa mère qui était au téléphone pour dire arrache-lui cette voiture-là. Il s'est trompé, il a mis ça sur haut-parleur. Tu entends la vieille qui dit prenez-lui voiture-là. Il était pâle de quelque chose. C'est pour ça, Dodo, nous les femmes. Moi, je pense que c'est vrai. On est là pour parler de la belle famille, mais les femmes, on doit arrêter d'avoir des conclusions très rapides. Parce que souvent, là, ton ennemi n'est pas nous. Tu sais, les hommes nous emmènent souvent à un niveau où on a l'impression qu'on a gagné un combat. En fait, on n'a rien gagné. Je suis consciente qu'il avait voulu m'épargner. Il a essayé de me faire comprendre que ses parents peuvent être compliqués. Mais je n'ai pas... J'ai pas mesuré. Je me suis dit, pas encore. Tu sais, à la fin de la journée, ta famille reste ta famille. Tu comprends? Quel que soit ce que les parents sont, c'est important de les avoir à nos côtés. Mais Dieu seul sait les couleurs que j'ai vécues. Dieu seul sait. C'est orphelin qui a la mode. C'est incroyable. C'est ça que tu as vu. C'est orphelin qui a la mode. Quand tu croises un gars seulement, tu dis bonjour. Et ta maman, elle a dit ton père. Ah, c'est bon. Il a acheté ça, lui. J'ai tellement pas ça orphelin qui a la mode. Hein. Parce qu'à fait des où il y a fait des tours de pas. Je suis désolée, mais les orphelins, vraiment manifestez-vous beaucoup sur les réseaux sociaux. Si vous pouvez faire un petit groupe de Facebook, bon bienvenue chez les orphelins, les peines les plus courtes. C'est pas ça, vous n'avez pas combat. Oh, Dieu n'a pas fait des papas, il n'a pas fait des mamans pour dire ils vont nous combattre, ils vont nous prendre. C'est pas votre tante, vos hommes, tout ça, là, mais vous êtes loin d'eux. Vraiment que Dieu vous bénisse, c'est, on ne souhaite pas de mourir afin que nos enfants soient orphelins, mais malheureusement, heureusement, c'est ça. Moi, je parle du rapport humain, c'est-à-dire le comportement. L'acharnement que mes beaux-parents ont eu envers moi. J'avais l'impression qu'ils se disaient que moi, je ne pouvais pas aimer leur fils. Cette fille-là, elle est là pour quelque chose. Alors, si je me suis mise avec lui, c'est parce que je l'aimais. Alors justement, je me permettrai de le faire aujourd'hui.
Alors là, vous avez suivi le témoignage très, 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 très poignant de Cérie Dorcas, très douloureux de Cérie Dorcas, de tout ce que la famille de son ex DJ Zokora lui a fait vivre. Et c'est vraiment dommage. Heureusement qu'aujourd'hui, elle a rebondi et elle a épousé quelqu'un de plus riche que leur fils. Dieu n'oublie pas ces gens. Comme elle a dit, comme Yasmine Reda a dit, quand Dieu sait que tu es innocente, lui-même va agir. Et il a agi. Vraiment, félicitations, femme forte. Félicitations, tu as très, très, très bien rebondi. Et je vous invite à regarder son émission. Ça passe sur Live TV et sur la télé d'Orange. Elle dit beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses intéressantes. C'est pour ça qu'on dit que tout ce qui brille n'est pas or. Contente-toi de ton petit pain, contente-toi de ton petit haricot, parce que tu ne connais pas, c'est la toiture qui cache beaucoup, beaucoup de choses. Nous sommes arrivés au terme de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Bye bye!